日本のニュース、店での待ち時間をなくすサービス。一緒にフランス語で見てみましょう。Bonjour à tous! C'est Sébastien! このチャンネルを応援してメンバーになりたい方はメンバーになるボタンを押してくださいね。今日は日本で始まったレストランの予約サービスに関するニュースです。まずは語彙を紹介してから本文に入っていきます。でもその前にフランスからオンラインレッスンを実施していますので、ご興味のある方は概要欄のホームページから詳細をご確認ください。チャンネル登録もお忘れなく。Avant de commencer, vous le savez, je viens au Japon fin juin et je cherche toujours des personnes prêtes à m'héberger autour de Sendai, Aomori, Hiroshima et Kyushu. Pour plus de détails, regardez cette vidéo. L'affluence. Faire la queue. Une réservation. Une start-up. Précieux. Pour les touristes étrangers en vacances au Japon, manger au restaurant fait partie de leur activité préférée. Cependant, en raison de l'affluence, il peut arriver qu'ils doivent faire la queue longtemps devant les restaurants. Pour éviter cette attente, certains restaurants proposent un service de réservation moyennant un paiement. Sur Internet, les clients peuvent réserver pour un certain nombre de personnes à une heure précise. Cette réservation coûte 390 yens par personne. Un restaurant de ramen situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo utilise ce service pour la moitié de ses places. À peu près 50% des personnes qui utilisent ce service sont des étrangers. Un client canadien interrogé a déclaré: le coût de la réservation n'est pas élevé et cela permet d'entrer rapidement dans le restaurant, c'est très pratique. La start-up proposant ce service a déclaré: pour les touristes étrangers en voyage au Japon, le temps est précieux. Nous pensons que ce service est nécessaire. Alors, est-ce que moi, j'utiliserai ce service? Je pense que non, pour deux raisons. La première, c'est que les restaurants très populaires qui attirent beaucoup de monde et beaucoup de touristes ne me donnent pas envie d'y aller. Donc, je préfère éviter ce genre d'endroit. La deuxième, c'est le prix du service.
Je trouve que 390 yens, c'est cher. La réservation devrait être gratuite. En France, réserver sa table au restaurant, c'est gratuit. Certaines applications comme The Fork vous proposent, en plus de réserver sa table gratuitement, des réductions sur les menus. Donc voilà, je n'utiliserai pas ce service. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Minasan, どうでしたか?質問や感想などコメント欄で教えてね。高評価、チャンネル登録、シェアもお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Au revoir les amis!